Bangwa.net. Ici, 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 Bangwa.net. Salut, mes chers amis qui m'écoutez à travers Ici Bangwa TV. Je suis Sa Majesté Mbombok, Daniel Mémé Phoenix, le 9 fois grand, professeur d'université spirituelle, à titre de professeur titulaire des savoirs mystico-spirituels. Je suis le recteur de l'Ordre divin, l'Université spirituelle africaine. Suivez-moi chaque jour qu'il fait à Bangwa TV, à Ici Bangwa TV, afin de bénéficier de la culture, de la culturation, du culturel, du patrimonial, du retour aux sources par Racine des Mystères, qui est la veine centrale de l'univers des vérités invisibles, incorporelles et éternelles. Bienvenue à Ici Bangwa TV. Je vous remercie, je suis le 9 fois grand. Ici Bangwa, s'informer depuis la source. Toujours dans l'activité 1, je parle maintenant du zodiaque et des rêves érotiques. Quand on parle des rêves érotiques, il s'agit tout simplement de la fabulation, du fantasmagorique que chaque individu, quel que soit son rang social, son rang politique, son rang économique et encore son rang intime et personnel, se donne la possibilité de réaliser. Tu vois une belle fille qui passe en haut, je dois avoir la gauche. Et malgré tout, tu ne parviens pas à la voir. Et pourtant, la nuit, tu es en train d'avoir les rapports avec cette fille. Et tu te réveilles, tu dis qu'une grand-mère t'a visité. Quelle grand-mère t'a visité? Aucune. C'est ça le rêve érotique. Tu as généré l'émotion. Cette émotion a inhibé l'âme du cœur. Cette émotion s'est injonctée au niveau de ton centre moteur sexuel, qui est remonté jusqu'à l'hypophyse, hypothalamus, c'est-à-dire en faisant le chemin inverse jusqu'au cerveau. Ça a généré dans ta fréquence mémorique le rêve érotique. Et c'est lié au zodiaque, parce qu'il y en a 12 signes mères des maisons zodiaques. Le bélier, le taureau, le gémeau, cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et les poissons. Voilà les 12 signes zodiaques, les 12 constellations zodiaques, si vous voulez, qui sont régies par l'individu, quel qu'il soit. Maintenant, comment ça s'assimile au monde des rêves érotiques? L'effet que tu sois gémeaux, signe élément air, que tu as constamment des rêves, des envies démesurées, des envies déroutantes, que ce soit le cas du vol, que ce soit le cas de la jalousie, tu vas te retrouver animé par les vibrations négatives qui est liée à ta fréquence zodiaque. Par exemple, les gémeaux, tu vas avoir tendance à voir, si tu aimes les femmes, démesurément, tu vas être accro au sexe, sans toutefois te contrôler. Si tu es scorpion, tu as le même symptôme que le gémeau. Si tu es sagittaire, tu as le même symptôme que le scorpion. Maintenant, si tu as les envies de déroute, par exemple le vol, tu as fait combien de trucs, tu veux piquer, pickpocket, tu fais tout ça, c'est-à-dire surpasser les gens en les volant ce qu'ils ont. Si tu es bélier, si tu es taureau, si tu es verseau, si tu es poisson, tu vas réveiller les pulsions meurtrières de ces signes-là qui ne vont pas être bénéfiques parce que tôt ou tard, ça va te rattraper. Donc, à partir de là, je n'ai pris que pour exemple ces signes
pour montrer le côté ambivalent. Maintenant, si tu es animé par des bonnes actions érotiques, tu vas te retrouver propulsé plus haut. Par exemple, je vais me faire initier aux entités de l'eau. Si tu es Gémeaux, cette héroïne, ce monde, ce rêve érotique va te propulser vers des génies, des Gémeaux qui vont te conduire vers les océans profonds du monde interne afin de te donner cette initiation dont tu as besoin. Attention, ne pas voir tout ce qui vient comme positif parce qu'il y a des esprits malins qui errent. Ce que je vais donner aussi comme conseil, c'est que si tu as du signe Gémeaux, je prends ce cas de figure. Ici Bangwa, s'informer depuis la source. Ce que je vais donner aussi comme conseil, c'est que si tu as du signe Gémeaux, je prends ce cas de figure. Et comme maintenant nous sommes dans le mois de la balance, je préfère prendre le cas de la balance. Si tu as du signe balance et que tu as des pulsions négatives, pour empêcher cela, cherche les feux d'hysope. Si tu as 30 ans, prends 30 feuilles, tu tritures dans l'eau, c'est-à-dire frotter dans de l'eau. Tu parles, je ne veux plus. Tu sais ce qu'il y a ici. Tu te laves avec sans savon, sans tissu. Tu fais ça une fois par semaine, quatre fois en un mois d'affilée. Pendant le signe de ta naissance, cela va s'arrêter définitivement. Si tu as des Gémeaux, je donnerai bien volontiers. Mais je vous interpelle davantage à vous rapprocher afin que nous puissions vous galvaniser, vous conduire vers les chemins de la révélation. Parce que tout ce que je vous donne comme conseil, il faut bien que vous sachiez que vous devez le pratiquer si et seulement si vous êtes entré en contact avec ma personne, que je vous ai donné les codes mystiques, secrètes, qui vont avec ces signes, avec ces rituels, avec ces astuces que je vous donne dans ces activités que nous allons voir ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller dire « Oh, maman, non, non. » Il s'agit de contacter le professeur qui t'a donné cette astuce pour dire « Professeur, voilà, j'ai, à partir de ton élément, il va te dire, je vais te dire que voici en principe le mot-clé, la clé mystique qu'il faut accompagner avec le rituel, avec le conseil, avec l'astuce que j'ai donnée dans mon entretien, afin que nul n'en ignore. C'est pourquoi je vous dis davantage, restez de ce côté, je vous remercie encore. Merci. Merci, au nom du pouvoir, de la sagesse et de l'amour, d'avoir écouté et regardé cette autre édition de Racines des Mystères. Et on se revoit à très prochainement, à très bientôt, dans Ici Bangwa TV, qui est notre chaîne panafricaine, qui est notre chaîne de retour aux sources, afin que vous aussi, qu'au-delà de votre position géographique, que vous puissiez être connecté à votre dimension. Je vous remercie. Je suis le 9 fois blanc. Merci. Ici Bangwa.net. 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 Ici Bangwa.net.